Eh bien salut tout le monde, c'est Maxence, ce soir Dragon Ball Z, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mes derniers achats, alors j'ai fait des derniers achats sur Amazon. Parce que j'avais envie de m'acheter quelques petits trucs. Voilà. Et je voudrais remercier encore mes 42 abonnés qui sont abonnés. Et go les 50 abonnés. Et c'est parti. Donc c'est parti, on va commencer pour le premier. C'est un film. C'est un film que j'aime beaucoup. Que malheureusement j'ai dû le commander j'ai dû le commander aux États-Unis. C'est Les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques que j'ai commandé aux États-Unis. Que mon papa m'a commandé aux États-Unis. Voilà. Voilà. Donc voilà. Alors c'est très très très. Je suis très content d'avoir ce film parce que ça va faire beaucoup de temps que j'essaye de trouver sur internet. Et j'ai dit à mon papa et mon papa m'a dit qu'il avait trouvé sur un site, ouais, sur Amazon et aussi dans un autre site, mais alors c'était à Perpignan. En fait, mon papa il avait commandé à Perpignan, mais ce con de vendeur a pris le CD. Il a pris le CD et ça m'a fait beaucoup de peine parce qu'en fait, mon papa il l'avait commandé à Perpignan dans un magasin et le vendeur n'a pas mis le CD, donc c'est un bourricot. Voilà. Voilà, les 4 fantastiques. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Oh. Et vous pouvez aussi voir les 4 fantastiques avec sur TV, ordinateur, tablette, smartphone. Toujours important ça. Voilà pour le premier objet. Voilà, c'était pour les 4 fantastiques. Après, le deuxième objet que je me suis acheté, c'est une raquette de taekwondo. Parce que comme vous savez, je fais du taekwondo. Donc je me suis acheté une raquette. Une raquette pour frapper avec le pied comme ça. Voilà, donc ça m'a coûté faire les 20-15 euros. Par contre, celui-là, j'allais l'acheter sur un autre site. Parce que sur Amazon, il n'y en avait plus. C'est sur eBay. Ils ont vendu une raquette de taekwondo sur eBay. Et je suis très content d'avoir cette raquette de taekwondo. Voilà. Le avant-dernier objet que je me suis acheté, c'est un CD. Un CD qu'un chanteur n'est plus. Même sa croix avec la guitare, c'est Johnny Hallyday. J'ai acheté ce CD de Johnny Hallyday parce que, comme je suis extrêmement fan de Johnny Hallyday, je pouvais pas résister. Et donc, je l'ai acheté sur Amazon. Voilà. On va voir, il y a des titres. Rock'n'roll attitude, dans minuit, oublie, pendu à coups, mon petit loup, le rock, je t'aime, je te promets, le feu, envie, montant du rock'n'roll, je t'oublie, j'oublierai ton nom. Voilà. Donc voilà pour le. Et le Johnny Hallyday. Et parce que mon papa, comme il est fan de Johnny, excusez-moi parce que j'ai le fluo qui est en train de relier à mes yeux. Donc si vous voulez, mon papa, il est extrêmement fan de Johnny Hallyday, moi aussi. Oh Johnny, adieu mon ami. Et comme mon père est extrêmement fan de Johnny Hallyday, il m'a acheté un CD de Johnny Hallyday. Et le dernier, oula. Et le dernier objet que je me suis acheté. C'est un truc que c'est à la mode. C'est un truc que vous pouvez aussi vous promener avec.
si vous savez en faire. C'est. Bah, quand tu l'as, oui, j'ai acheté aussi sur Amazon. C'est un skate. Voilà. Un skate très très beau avec une jolie tête de mort. Oula. Attendez. Oula. Oh, j'ai plein de poussière chez moi. Donc, attendez. Très beau. Très très beau tête de mort. Par contre, il y a des poussières. Par contre, il y a de la poussière. Mouchoir. Voilà. Vous avez vu? Magie, hein? Nah, je rigole. Voilà. Donc ce skate-là, il a coûté vers les 40, 40, 40, 50 euros. Mais je l'ai payé 50 euros parce que il coûtait 45 euros plus 5 euros de livraison, ça fait 50. Voilà. Un très très beau très très beau skate, très très beau skate, et voilà voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, en espérant que vous aura plu. Mettez-moi un gros pouce bleu si vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, juste un petit truc avant de quitter la vidéo. La semaine prochaine, je vais habiter dans ma nouvelle maison. Alors, je vous dirai où je vais habiter dans la description, où je vais habiter. Voilà, c'était Maxence Dragon Z. Allez, ciao!